Congo, Congo de Mboka, Mboka ngoma kengeli, Mboka ngoma kengeli. Bonjour, bonsoir et bonne journée là où vous êtes. Bienvenue sur En Neuf avec les Fondés. C'est les retours après 2 semaines d'absence. 2 semaines où j'ai fait face à un rhume. C'était simple en fait, un rhume qui ne me permettait pas d'échanger avec vous. Et 2 semaines durant lesquelles on a connu des graves événements au pays, notamment avec les décès tragiques, l'assassinat de notre frère Chérubin Okende, qui a laissé place à beaucoup d'émoi, beaucoup de chocs, mais aussi beaucoup de spéculations. Et même si le rhume ou la maladie m'a un peu éloigné des écrans, j'étais un peu plus heureux de ne pas être devant les écrans, parce qu'avec tant d'émotions, on risquait de dire et d'affirmer des choses qui n'étaient peut-être pas adaptées. Je rentre aujourd'hui et il s'est passé beaucoup de choses, notamment on a la francophonie, on a aussi plusieurs questions sur le pays, notamment cette histoire, ces dossiers d'assassinat. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays et où est-ce que nous allons? Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps puisque c'est un retour. Je voulais juste vous saluer un peu. La première des choses dont on va parler rapidement, c'est la francophonie. Et oui, ça y est, on l'a fait. On a lancé les Jeux de la francophonie à Kinshasa. C'était une première pour ce pays. Le dernier grand événement qu'on a fait dans ce pays, comme vous le savez, c'était la francophonie, je veux dire, le sommet de 2014 avec Joseph Kabila, où on a été dans les plus hauts sommets de la cristallisation politique autour d'un événement. Mais dans une plus grande mesure, on n'a pas eu vraiment une projection du Congo, de la RDC, à travers la planète, comme c'est qu'on a aujourd'hui. Et si on rentre dans l'histoire, c'est il y a plus de 49 ans, avec les combats du cycle de Rainbow in the Jungle, avec Mohamed Ali et George Foreman. Et donc, c'est vraiment une grande prouesse pour ce pays. Alors, évidemment, on va vous bassiner, oui, on va vraiment vous bassiner du nom de Félix Tshisekedi comme étant l'artisan de cette œuvre, parce que, allez, on ne va pas faire semblant, ces jeux ont été combattus, mais pas dans le sens de quelqu'un qui vous combat, mais dans le sens où beaucoup n'en voulaient pas, beaucoup n'y croyaient vraiment pas. Après, pour votre décharge, il y avait quand même des signaux qui nous poussaient, nous tous, à ne pas y croire, notamment la nomination des DJ Platine comme responsable des jeux. On se disait, bon, où est-ce qu'on va aller? Mais ça y est, il l'a fait, on l'a fait nous tous. Le président n'est pas le seul. Mais il y a des enseignements à tirer de ces jeux. Notamment, le premier, c'est que nous pouvons y arriver quand nous mettons nos efforts, quand nous mettons le sérieux. En tout cas, c'est le deuxième événement que l'on organise dans ces pays durant Félix Tshisekedi, vraiment d'envergure, je dirais. Il y a la venue du pape et il y a cet événement qui ont démontrer une certaine façon de faire dans l'organisation des événements, dans la communication. Et le ministre Patrick Muyaya ne sera pas très loin de cette façon de faire. Et l'enseignement qu'on tire premièrement de ces genres de réussite, c'est d'abord le fait que pour une fois, l'État a fait appel à des privés qui ont pendant longtemps démontré leur qualité. Et on a un ministre qui a beaucoup évolué dans les privés, dans ces domaines. Il a rapidement compris de quoi il en était question. Il a effectivement conduit, il a obtenu ses résultats. Et donc, ça c'est le premier enseignement. Nous pouvons le faire quand nous voulons, nous le faisons. Le deuxième enseignement, c'est, j'avais dit ça dans un tweet, c'est les raisonnements du président Félix Tshisekedi. Et moi je trouve que, quand on a souvent parlé de pragmatisme dans ces pays, en la personne de celui qui vous dirait, à qui vous croirez vous-même, mais je pense que ce président a une autre approche et une autre manière de faire qui est très intéressante. Tshisekedi est quelqu'un qui, je pense qu'il a vraiment le quinoa dans le sang, c'est vraiment notre façon quinoa à nous de réfléchir en se disant « Tokenekak ». C'est-à-dire, à un certain moment, vous vous dites, et c'est la polémique que nous avons eue, à un moment, les gens se disent « Bon,
on n'a pas d'argent, il faut quand même faire ceci. Par exemple, j'ai donné l'exemple de la gratuité. La gratuité, quand elle a été lancée, il y avait beaucoup de couacs, je vais être franc. Les professeurs n'étaient pas préparés, les écoles n'étaient pas préparées, ainsi de suite. Sauf que cette gratuité est coulée dans la concession depuis 2006. Et personne ne l'a préparée. Évidemment, à un certain moment, le président Joseph Kabila a commencé à construire les écoles. C'était sans doute pour essayer d'appliquer la gratuité plus tard. Il n'a pas eu le temps, il est parti du pouvoir. Maintenant, quand le président Félix Tshisekedi est arrivé, avec sa façon de voir les choses, c'est de ça que je parle, il s'est dit, bon, si nous attendons encore pour être prêts, nous ne serons jamais prêts. Et connaissant profondément notre société quinoise, oui, ce que c'est un Quinois pour une fois, même s'il a beaucoup plus passé le temps de sa vie en Belgique. Mais il réfléchit un peu comme ces microcosmes en fait, politico-sociétal qui est Kinshasa, en se disant, si nous attendons seulement le jour où on sera prêt, on ne le réalisera jamais. Et donc, son approche est simple, c'est que je vous bouscule. Allez, c'est un peu comme des gens qui apprennent à un bébé à nager en les jetant dans l'eau et en regardant comment il réagit. Et c'est exactement ce que le président fait. Il se jette à l'eau, il jette la gratuité à l'eau et tout le monde doit suivre. Il tape un peu sur un tel ministre, tape un peu. Et voilà la chose aujourd'hui, la gratuité. On a 6 millions d'enfants, rien que cette année, qui sont revenus à l'école. Et avec la francophonie ou les autres événements, le pape et consorts, c'est les mêmes management en se disant allons-y, on va trouver des quoi, qu'on va trouver des choses, mais allons-y. À ne pas confondre avec le fait, j'ai vu des gens dire qu'on n'a pas de plan. Si, on a un plan, on veut organiser la francophonie. Comment on le fait? C'est ça, 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 ça. Maintenant, pour la gratuité, c'était simple, on avait un plan. Pour faire la gratuité, il faut avoir de l'argent, 2 milliards pour ceci, 2 milliards notamment, pour les professeurs, pour les écoles, il faut construire les écoles. Mais est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce que les plans, qu'on soit assuré qu'on a tout pour commencer? C'est ça la question qu'il inverse un peu dans sa façon de réfléchir. Et donc, nous avons plongé. On a plongé d'abord avec DJ Trouble et il s'est rendu compte, le président, que ce n'était vraiment pas la bonne personne. Il n'a pas hésité à changer. C'est ça aussi qu'on a des différends aujourd'hui dans notre pays. À l'époque, tel a volé l'argent de la SNEL, on ne le change pas, on le maintient. Tel a fait ceci, on ne change pas, on le maintient. Même ils sont promus dans d'autres postes. Mais aujourd'hui, on a quand même cette réactivité. Quand on dénonce, on a un changement. Et donc, je voulais vraiment saluer cette façon de faire parce que je trouve que ce pays a tellement de choses à faire. Et si nous attendons le jour où on va être prêt, ça n'arrivera jamais. Voilà, on a réalisé ces jeux parce que nous nous sommes dit, allons-y, on ne va pas attendre jusqu'au jour où on sera prêt. Et donc ça, c'est très intéressant. La troisième et dernière chose, c'est l'enseignement qu'on tire de ces jeux. Non, l'avant-dernière, parce qu'il y en a quatre. C'est d'abord la situation drastique et catastrophique dans laquelle nous sommes dans notre pays, dans l'industrie des services, dans notre capacité à répondre aux commandes, à travailler. Si vous avez vu, le président était quasiment plus de 4 à 5 fois au stade des martyrs et puis à l'université de Kinshasa. C'est qu'on trouve normal dans ces pays. Ça veut dire que le président n'aurait rien à faire que d'aller visiter des chantiers. Imaginez un peu. Mais dans le fond, il y a un problème quand même. Ça veut dire qu'autour du président, il n'y avait visiblement pas quelqu'un en qui il pouvait faire confiance quand on lui disait qu'on a déjà construit les homes, on a déjà... Vous voyez? C'est-à-dire que le président était obligé, pour mettre la pression sur ces gens, d'y aller souvent lui-même pour essayer de voir. Et quand il arrivait, moi, on a vu notamment à l'université de Kinshasa, il y avait des choses pour lesquelles le président n'était pas d'accord. Et donc, je sous-entends, et ça c'est, je subodore un peu, je me dis, s'il n'y était pas allé, on aurait peut-être eu autre situation. Et cette présence, cette façon de faire en se disant, je vous suis, je vous surveille, a donné des résultats. Et donc, ça, même si on est très heureux des résultats, on se rend compte qu'en fait, quand on a un problème dans ces pays. Et moi, je suis entrepreneur, et c'est un problème récurrent que je remarque même dans mes structures. C'est-à-dire, en fait, en tant que chef, on a souvent une situation où on doit tout le temps revenir pour savoir qui fait quoi, pourquoi tel n'a pas fait ceci, ainsi de suite. C'est un management, je comprends, oui, on le fait même partout. Mais chez nous, c'est quand même incroyable, quoi. Donc, on perd énormément de temps. Et au final, le chef ne fait plus rien d'autre que d'essayer de rappeler à chacun qui doit faire son travail. Et ça n'a pas de sens, on ne peut pas s'en sortir comme ça.
C'est-à-dire que le président de la République, il a d'autres choses à faire, il a énormément de choses plus importantes à faire, mais il est obligé de délaisser ses tâches et de venir surveiller un maître des chantiers. Vous voyez, en fait, ça, c'est les questionnements qui l'on tire de ces jeux, de cette situation, en se disant qu'il y a quand même un problème entre nous, Congolais. Si, comme on a souvent dit, hein, les problèmes, c'est les chefs, il n'y a pas des mauvaises troupes, machin truc, mais à un certain moment, nous refusons de nous remettre en cause en tant que troupes. On se dit, à partir du moment où c'est les chefs le problème, ça va. Sauf que parmi les troupes, dans les troupes, il y a quand même un problème de principe. Il y a un problème sociétal où les Congolais, lambda, les Congolais dans son environnement naturel, n'est pas très efficace au travail. Je ne dis pas tout le monde, mais ça, la majorité quand même, vous avez de société, ceux qui ont de société le savent, ceux qui ont des collègues au boulot le savent, on a souvent une situation où un tel n'a pas fait son boulot, ainsi de suite. Et c'est vraiment endémique en RDC. C'est l'enseignement qu'on tire entre autres de ces jeux. Donc, ça serait d'ailleurs très bien qu'on puisse évidemment s'en rendre compte qu'on essaye de changer avec ce que j'aborderai à la fin de cette émission, la refondation de la RDC. Dernier enseignement, on n'en a pas parlé beaucoup. Le ministre Patrick Muyaya a essayé de le dire pendant l'organisation et il est paru comme un complotiste qui dénonce des choses, qui attribue des choses au Rwanda ou je ne sais pas à qui. Et aujourd'hui, puisque ça est réussi, parce qu'à l'époque, quand on pouvait en parler, on pouvait être comme quelqu'un qui défend les gens incompétents. Bon, aujourd'hui, puisqu'ils ont fait des jeux qui sont l'ouverture qui est réussie, on va quand même en parler. Ces jeux ont été théâtre de beaucoup de manigances pour qu'ils ne s'y tiennent pas. Évidemment, je ne vais pas faire les jeux des cités X, Y a fait ça, mais on a eu une sérieuse influence externe et interne dans ce pays pour que ces jeux ne tiennent pas, n'aient pas lieu. On a eu des influences en termes de sécurité, on a eu des campagnes en termes de déstabilisation, des campagnes de nocifs autour de l'organisation de ces jeux, autour de sa tenue. Et la dernière, c'est l'absence de notre sœur, Louise Mushikiwabo, qui a tourné les choses en rang, j'avais pas reçu d'invitation. Et puis bizarrement, tout Congolais, bon qu'on est dans le fait que si ça touche Tshisekedi, on se dit, bon, on continue, on commence à se dire que non, on a tort. Non, soyons sérieux. Ces gens n'avaient aucun intérêt, n'avaient aucune volonté que ces jeux aient lieu dans ces pays. Et on voit pourquoi. Parce que ces pays cherchent un événement depuis toujours. Il a failli l'avoir en 1960, il l'avait d'ailleurs, avec l'indépendance, des événements fédérateurs. Nous l'avons eu en indépendance, nous avons eu ça avec des martyrs, nous avons eu cet événement qui a conduit à la création de cette nation. Et puis, durant Mobutu, nous en avons eu quand même quelques-uns, on a eu les coupes. De la Coupe d'Afrique des Nations, on a eu cet événement, malheureusement on est allé en Coupe du Monde qui nous a, on a perdu, mais c'était des événements fédérateurs, ça faisait de nous, ça nous reliait un peu plus, ça nous donnait un peu plus de fierté, ça nous donnait un peu plus d'union. Mais depuis un moment, nous avons failli en avoir en 97 avec la chute des FDL et surtout avec cet appel de troupes, cette cohésion que Laurent Désiré Kabila a incarné en se disant « Mettons-nous, lèvons-nous face à l'ennemi », ça nous a fédéré. Mais depuis, nous sommes restés orphelins des choses qui nous unissent. Et pour répondre à ceux qui se demandaient « Mais à quoi servent ces jeux ?» En fait, nous avons besoin de ces événements fédérateurs. Nous avons besoin de nous regrouper autour du drapeau et de l'ICU. Et ces genres d'événements, personne n'en voulait parce qu'ils savent que ce pays, le jour où on sera unis, le jour où on sera fédérés, le jour où on aura des causes communes que nous défendrons des manières communes, ça sera différent. Ce n'était que ça. Ce n'est pas un combat contre Félix Tshisekedi, ni un combat contre Martin Fayulu, je ne sais pas, contre Moïse Katumbi. C'est un combat contre le Congo. Et à partir du moment où chacun commence à se dire « Bon, c'est Tshisekedi, il est incompétent, je ne vais pas les défendre », tant mieux, ou tant pis. Mais le jour où vous réaliserez que s'il n'y a plus personne qui défend le pays à cause de X et Y, c'est le pays qui implosera. Et nous avons eu des gens qui ont voulu déstabiliser ces jeux. Ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas que ces jeux se tiennent. Et pour cela, je salue tous ceux qui ont levé ne serait-ce qu'un doigt pour que
nous réussissons ensemble en tant que pays ce qui s'est passé hier. Nous avons montré à la face du monde que le Congo, que l'on annonçait mourant depuis des décennies, tient encore debout. Il a un cœur qui bat et il peut encore surprendre le monde entier par sa vitalité, par son dynamisme, par son hospitalité. Et là, on ne parle encore pas de ses richesses. Ces hommes, en fait, la plus grande richesse de ce pays, ce sont les 100 millions de Congolais que nous avons parmi nous. Et nous pouvons surprendre ce monde en lui apportant quelque chose de plus qu'il attend de nous. Et donc voilà un peu, j'aurais voulu les dire, parce que j'ai voulu le dire depuis longtemps, mais quand on voulait le dire avant que ces événements aient lieu, avec tous les boucans, avec toutes les conséquences que ces déstabilisations ont créées, beaucoup s'essayaient de faire passer cela comme une défense d'un camp, une défense des gens incompétents. Alors, puisqu'ils ont réussi à faire ce travail, alors sachez que le pays a été menacé, le pays a failli ne pas organiser ces Jeux parce qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien. Voilà ce que l'on peut dire de Jeux de la francophonie. Félicitations à toute la nation de Congolais, leader d'opposition compris, à part Marco Polo avec sa lucha qui n'arrive pas à appréhender nécessairement la notion de l'intérêt général. Pour eux, ils sont en politique tout le temps, ils doivent s'opposer à X et Y tout le temps, même pendant des événements pareils où la nation entière se regroupe autour de son drapeau. Cette organisation, qui est pourtant un mouvement citoyen, préfère effectivement chercher des fautes, ainsi de suite. Il y en a aussi ceux qui ont envoyé des scandaires professionnels pour aller parler du dollar au stade, spécialité qu'ils ont depuis longtemps, étant dans le domaine des sports, ils savent comment magouiller des choses comme ça. Ils ont cru que c'était une messe, un regroupement de l'UDPS pour leur envoyer des adversaires pour scander le dollar. On a un problème dans ces pays, la hausse du dollar, oui, nous savons. Mais quand le Congo est en train de prester face au monde, écoutez, nous pouvons prester les ventres vides pourvu que le monde sache que nous sommes une nation fière. Et donc envoyer des gens qui vont scander des choses là-bas pour déstabiliser ou pour dire des choses contre X et Y, c'est vraiment l'acte la plus antipatriotique et les plus, pardon. Et le fait que nous pensons toujours que c'est anonyme, c'est instinctif, c'est les gens font ça librement, il n'y a personne derrière, et que quand on commence à expliquer les choses, on dit toujours que non, on est complotiste. Mais en réalité, oui, il y a des gens qui sont prêts à tout pour arriver au pouvoir dans ce pays. Et d'ailleurs, je reviendrai la semaine prochaine sur eux. Il faudra qu'on fasse en sorte qu'ils soient la seule élection à laquelle ils participent démocratiquement et librement, c'est au Rwanda, un jour. Congo, Congo de Mboka, Mboka Ngo Mokengeli, Mboka Ngo Mokengeli, Léopard.